Jean-Francis Treffel, vous arrivez ici en terre bourbonnaise, vous prenez donc les rênes de cette préfecture de l'Allier, un département que vous connaissiez jusqu'à présent ? Un département que j'avais traversé, mais dans lequel je n'ai pas eu l'occasion de m'arrêter. Mais un département dont je connais la réputation à travers ces trois centres d'activité que sont Montluçon, que sont Moulins et que sont Vichy. Trois bassins de vie territoriaux très différents. Moulins, c'est la vie administrative. Montluçon, c'est la vie économique, commerciale, industrielle. Et puis Vichy, c'est la ville touristique du département. Vous avez eu la chance, hein, comme préfet, et ça, ils ne sont pas nombreux, effectivement, d'avoir été installé en présence de trois ministres. Hein. Hier, vous accompagniez donc, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État à la ruralité dans le secteur de Ghana, Ghana-Vichy. Quel message ont-ils porté en direction de votre fonction, tout simplement, et plus largement en direction des Bourbonnaisiens ? C'est un grand honneur pour moi, en effet, d'avoir la présence de trois ministres le jour de mon installation. Qui était un hasard, hein, qui était une conjoncture d'hasard. La principale mission qui m'a été donnée est de mettre en place un observatoire départemental à la sécurité en agriculture. L'objectif, comme c'est un sujet ici en Allier, au titre du Beauvau de la sécurité, les deux ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et le secrétaire d'État à la ruralité étaient présents pour faire le point avec les représentants des forces de l'ordre, faire le point avec les agriculteurs sur l'état du phénomène. Ici, on constate en effet des violences vis-à-vis des animaux, on constate des vols de matériel, on constate également des intrusions dans des exploitations. Et ma principale mission consiste à mettre en place cet observatoire départemental pour avoir un diagnostic partagé. Partagé entre la préfecture, entre les forces de sécurité, entre les représentants de la profession, et à partir de là, proposer et prendre les initiatives qui vont bien pour assurer une meilleure sécurité dans le monde agricole. Monsieur le préfet, vous avez beaucoup bourlingué, vous avez fait les dom-tom, vous avez fait aussi la Mayenne, votre dernier poste, vous êtes passé aussi par l'Orient. Donc vous avez vu un peu toutes les caractéristiques géographiques de notre République. Ça va être une force pour vous, pour le département de l'Allier, justement, avec ces trois caractéristiques qui sont vraiment distinctes, avec trois bassins de vie. J'ai en effet une expérience outre-mer, une expérience maritime, une expérience d'un département rural, je pense, à Laval et à la Mayenne. J'ai retrouvé en effet le monde agricole que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Donc la Mayenne, c'est une terre plutôt d'élevage laitier. Ici, c'est plutôt d'élevage viande. Et dès demain, je verrai les agriculteurs pour faire avec eux le point sur leur situation dans ce département de l'Allier. Vous avez été confronté, hein, comme tous les préfets de France, à cette crise sanitaire que traverse la France, le monde en règle générale, la crise de la Covid-19. Il a fallu mettre d'abord donc en place le dépistage et puis s'est ajouté donc la vaccination également. Qu'en est-on aujourd'hui ? Quelle est la situation aujourd'hui dans le département de l'Allier ? Le département de l'Allier, dans ce domaine, a des résultats qui sont des résultats, je ne dirais pas rassurants, mais qui sont des résultats qui sont corrects par rapport à ce qu'on constate au niveau de la moyenne nationale, soit au niveau du taux d'incidence, qui est un des taux les moins élevés de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit au niveau du taux de positivité, qui est égal à 5 pour 100 000 habitants, ou que ce soit à 5% habitants, excusez-moi, ou que ce soit au niveau de la vaccination, puisque pour la vaccination, aujourd'hui, nous avons vacciné plus de 50 000 personnes, 31 000 premières injections, près de 18 000 secondes injections. Donc ça montre que le département de l'Allier a réussi aujourd'hui à vacciner un peu plus de 12% de sa population, ce qui sont de bons chiffres. Alors vous êtes ici le représentant de l'État, le représentant du gouvernement sur le territoire que représente l'Allier. Il y a un autre dossier important, hein, qui occupe l'actualité, c'est le plan de relance. Le plan de relance qui est là pour soutenir l'économie, également pour soutenir les projets des collectivités. Quel rôle vous allez jouer là-dedans ? Les préfets et les sous-préfets sont en effet chargés de la relance dans leurs départements respectifs. Ce sont des financements d'État importants qui sont mis à disposition. D'une part, des entreprises pour des actes directs, pour des projets de développement, des projets d'investissement, mais également vis-à-vis des collectivités, des aides pour le département, des aides pour les établissements publics de coopération intercommunale, pour les communes, avec un point particulier qui est fait sur la rénovation énergétique. Et les élus, les partenaires économiques me trouveront comme le principal interlocuteur pour mobiliser des financements publics sur leurs projets.
Monsieur le préfet, le département de l'Allier a une position stratégique sur le territoire national, centrale. C'est pour ça qu'ils sont développés donc, des axes actuellement, donc, que ce soit la RCEA, hein, la route Centre-Europe-Atlantique, qui va devenir la 79 dans quelques mois, dans quelques années, avec un doublement des voies. Il y a également la Nationale 7 aussi qui va passer aussi en 2x2 voies. Ces dossiers, ça fait très longtemps hein, qu'ils sont attendus, que le terme est attendu, ça ne va pas tarder. Vous aurez peut-être la chance d'inaugurer tout ça d'ailleurs pendant votre passage ici dans l'Allier. C'est des dossiers sur lesquels vous allez vous plonger plus particulièrement. Il va falloir les financer tout d'abord aussi. Hein. Les dossiers d'infrastructure sont toujours des dossiers de très long terme. Et en effet, plusieurs préfets, plusieurs générations d'élus se sont consacrés à l'aboutissement qu'on constate aujourd'hui pour la mise à 2x2 voies de la route Centre-Est Atlantique. Le principal dossier qui reste, qui sera une préoccupation, c'est la mise à 2x2 voies de la route nationale 7. Donc je vais travailler à cette mise à 2x2 voies de la route nationale 7, sachant qu'aujourd'hui, les chantiers routiers, et en particulier sur la RCEA, sont lancés. Et je visiterai d'ailleurs ce chantier, sa plateforme, dans les jours qui viennent. Alors, un autre volet hein, au niveau économique ici, c'est l'agriculture. Vous en parliez tout à l'heure. L'agriculture qui est, j'allais dire, le secteur le plus important avec l'industrie agroalimentaire qui occupe pas mal d'activités économiques dans le département. C'est un secteur que vous connaissez, que vous avez pratiqué dans le département précédent qui est la Mayenne. On ne le connaît jamais intimement, les sujets agricoles, tellement ils sont variés, tellement ils sont complexes. Et c'est un sujet que seuls les professionnels peuvent vous parler au plus près. Mais le rôle du représentant de l'État est d'aider les agriculteurs à exercer leur métier et à mobiliser les financements publics lorsqu'ils existent. Je pense en particulier aux fonds européens, mais également à mettre en relation l'ensemble des partenaires de la création de valeur en agriculture. L'ensemble des partenaires, c'est les producteurs, les agriculteurs, mais c'est aussi les transformateurs, les industriels. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Egalim, j'ai bien le projet d'être le meilleur intercesseur entre l'ensemble de ces intervenants. Et je verrai d'ailleurs sur l'ensemble des sujets agricoles, et d'abord les éleveurs de viande, comme vous l'avez dit, demain, l'ensemble des représentants de l'agriculture me rendent visite pour que nous puissions faire un point sur leur situation. Alors une des richesses du département de l'Allier aussi, c'est son tourisme dû à son milieu culturel, son patrimoine, ses églises, ses châteaux de l'ancien duché du Bourbonnais. Vous avez d'ailleurs un dossier qui est en cours, le triptyque du maître de Moulins qui est hérité d'Anne de France. C'est en effet un dossier qui est en cours, qui a été bien pris en compte par mon prédécesseur et je suis en train d'organiser une réunion avec le Conservatoire national des monuments nationaux qui va prendre en charge la gestion de ce triptyque. Il faut assurer la compatibilité entre son lieu d'hébergement aujourd'hui, qui est la cathédrale, et puis la possibilité pour chacun de nos concitoyens d'accéder dans des conditions faciles de visite et d'admiration de ce triptyque. Au-delà de ça, je sais aussi que nous avons un département touristique qui est bien placé pour la préparation des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, puisque la ville de Vichy a été retenue comme terrain de préparation des Jeux, et je crois que c'est une grande perspective pour notre département. Monsieur le préfet, un dernier mot. Vous êtes un haut fonctionnaire, vous dirigez donc ici la préfecture et les sous-préfectures, entre autres, du département. Est-ce que, finalement, bon, on espère que cette fonction vous laisse un petit peu de temps libre, vous allez les occuper comment ? Écoutez, nous sommes ici dans le parc de la préfecture, donc j'essaierai d'en profiter quand j'aurai un peu de temps libre. Et puis j'essaye de pratiquer un peu de sport, de la course à pied et puis la natation dès lors que les établissements de natation réouvriront. Merci, monsieur le préfet. Merci à vous.